Sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Il centre, attention! Le bon jaillissement. Le Royal Antwerp qui espère sans doute être un peu plus solide défensivement qu'au dernier match où les deux buts encaissés l'avaient privé des trois points. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. C'est joué long, c'est dangereux. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Toujours 0-0, le match reste ouvert. Hutton qui écarte le jeu. Il peut tirer. Oh, l'occasion! Premier corner dans cette rencontre. Et la tête! Oh non, ça ne passera pas! Le Standard de Liège qui cherche encore et toujours à faire la différence dans ce match. C'est bien beau de vouloir temporiser, faire tourner le ballon, mais il va falloir un petit peu de percussion. Et il repique au centre. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Il écarte le jeu. Il déclenche son centre. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Allez, match nul, match nul. Salut à tous, nous y sommes, cette finale tant attendue alors que tous les championnats européens ont désigné leur vainqueur. Il est temps de sacrer le champion ultime. Après les éliminatoires l'été dernier, la phase de groupe, sa petite surprise, et puis les tours à élimination directe riches en émotions et en matchs magnifiques, il est temps de vivre ce match qui va être regardé par plus de 300 millions de téléspectateurs.
Le stade Sucru Saracoglu se situe du côté asiatique d'Istanbul. Depuis qu'il a été rénové en 2006, c'est l'un des symboles forts du club qu'il héberge. Je parle évidemment de Fenerbahçe. Bien, nous y sommes presque. Dites-moi, Darren, vous la sentez comment cette finale? Je pense qu'on a tous les ingrédients pour un très grand match. Le public est chauffé à blanc, les joueurs sont ultra motivés. Attention! Attention là, coup franc. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, quoi. Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est joué long, attention. Ça peut faire mal. Sans se poser de questions. Diagonale. S'échappe le long de la ligne. Dans la surface. Moussa Sissoko. Encore un quart d'heure avant la pause. Walker Peters. Et pour lui, attention. Le Standard de Liège qui essaye de construire. Hutton. La tentative. Et ça passe juste au-dessus. Et voilà, c'est ce genre d'action qu'on veut voir dans une finale. Ça aurait été un but magnifique. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Un but maintenant, ça serait pas mal. Il allonge. La bonne interception. Le long dégagement du gardien. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. En retrait vers son gardien. Et voilà qui conclut une première période très intense. Le Standard de Liège qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. C'est la pause, le temps peut-être d'un premier bilan. Votre analyse? Aucune des deux équipes ne s'est vraiment imposée jusqu'ici, mais ça arrive souvent dans ces grands rendez-vous. C'est normal. Au moins comme ça, à la mi-temps, les entraîneurs vont pouvoir rectifier le tir. Espérant en tout cas que ça porte ses fruits. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période on aura un ou deux buts. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Il s'impose physiquement dans ce duel. Dans la profondeur. Quel timing dans l'interception. Ça joue long vers l'avant. Moussa Sissoko, toujours 0-0, le match reste ouvert. Moussa Sissoko qui a un peu d'espace. Oh, voici Dani Rose. Et il cède sous la pression. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc.
au centre. Un peu d'air pour la défense. Excellent repli défensif. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en dire. Il dégage. Il s'est récupéré facilement. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ça joue à gauche. Ça joue long. Il est bien placé. Il tire. Il n'a pas tremblé. Formidable. Et si c'était tout simplement le but qui les menait à la gloire? On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Les voilà donc devant, c'est un but qui vaut cher. Aurier. Et il perd l'équilibre. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Ce genre de centre, il y avait pourtant plein de joueurs disponibles dans la surface. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal, ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Sur la gauche. Il relance, côté droit. Ouf, un peu d'air. Il se rattrape bien. Le Standard de Liège qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Le bon dribble. Allez, jusqu'au bout. Et le match s'achève sur cette ultime occasion. Ils l'ont fait, ils ont gagné la coupe, ils ont atteint cet objectif après tellement d'efforts, de buts, de grands matchs. Bravo à eux. Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo messieurs, bravo pour cette coupe. We'll be right back.